Alors, je vous décris une expérience qui s'est déroulée en 2008, il me semble. Une époque où j'étais élue régionale en charge des questions d'environnement. Et Ségolène Royal, la présidente de région, était très attachée aux méthodes participatives. Et elle avait lancé l'expérience de jury citoyen relatif au changement climatique en Poitou-Charentes. Donc j'ai vécu pendant des jours et des jours ce jury citoyen qui a été mis en place ici. Alors, d'une part, un jury citoyen consiste à contacter plus de 1000 personnes par téléphone, bien réparties, choisies par tous les âges, parité, répartition géographique. Il faut en contacter 1000 pour arriver à la fin, en avoir 25. Sur les 25, il y a une petite perte au fil des jours de une ou deux personnes, ce qui est relativement peu. Et pendant tout le déroulé du jury citoyen, qui a lieu la plupart du temps plusieurs week-ends, la première phase du jury consiste à donner des informations de compréhension aux membres sur la question climatique, sinon ils ne pourront pas intervenir s'ils ne connaissent pas le sujet. Donc différents experts, différents regards croisés leur donnent des informations sur le changement climatique et ses effets en région. Et à partir de là, ces personnes qui maintenant ont des éléments de connaissance et d'analyse peuvent faire des propositions sur la politique de la région en matière de climat. Donc voilà en gros l'esprit du jury citoyen. Et comment leur avis a-t-il été pris en compte par la région ? Alors d'abord, leur avis a fait l'objet d'une parution à la fois sur le site de la région, une parution papier de bonne taille, très consistante, puisqu'ils avaient fait des remarques très pertinentes. Mais par la suite, je ne sais pas ce qui a été fait à partir de ce document. Est-ce qu'il a servi à infléchir des politiques régionales en matière de climat ? Là, il y a un certain flou artistique. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à la suite de ce jury, un an plus tard, il y a eu la mise en place d'un groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique, ce qui était un autre sujet. Mais que s'est-il passé après ? Est-ce que les membres se sont rencontrés, se sont revus ? Ont-ils préparé autre chose ? Ont-ils avancé dans leurs connaissances ? Moi, j'ai la certitude qu'ils ont changé à la suite de cette expérience, que ça a été une expérience pour eux exceptionnelle, sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas, en échangeant et en construisant avec les autres. Je pense que ça les a marqués. Mais quant à la suite donnée du point de vue politique par la région, là, j'ai de gros doutes. Donc, il te semble que ça serait pertinent d'en faire sur d'autres sujets ? Je pense qu'il en a été fait en région sur d'autres sujets. Mais je ne peux pas vous le dire parce que moi j'ai quitté la région en 2010. Et toi, comment tu l'as vécu ? Bon, c'était passionnant, je veux dire, l'expérience avec les 25 personnes et cette construction politique très bien menée par un cabinet expert était un moment de bonheur, absolument. Et voilà. Merci.